Elle fonce. Salut ma gueule. Oh oh oh. C'est Jiraya qui t'a filé sa malaria, y a moyen. Mais c'est peut-être aussi Alfouille. Alfouille, ce petit bâtard, il m'a caché un truc aussi. Ah, ça me vénère. On va au resto, on est quasi pas resté longtemps dehors et j'étais bien couvert. Avant de lui faire la bise, je lui fais t'es pas malade, j'espère. Non, c'est bon. Il était malade toute la semaine, ce chien. C'est le seul à qui j'ai fait la bise. Et comme par hasard, 2 heures après, un resto, ça a suffi, sa mère. On va emmener des enquêteurs. La vie de ma mère, si demain vous voyez pas en live, il s'est passé un bail. Il est full incubé, mon gars. Mais gros, c'est végétal, bordel, là. Il vient de je sais pas quelle planète, cet enculé. Tout le temps malade. Et gros, je lui fais la bise. 3 heures après, je me retourne dans le lit, je fais. Sophie, demain, ça va être une longue journée. Les gars, je vais partir à WAP. Je pars à WAP aussi. Ah ouais, donc bah je pars à WAP aussi les potes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Les gars, flash et long, je fais le premier kill, j'annonce. Flash et long, j'ai le premier kill. Elle a double, elle est sublime. On continue, on avance à deux. Voilà, les gars, c'est bon. Flash et long, j'ai le premier kill. Oubliez pas de. Oh non, regarde. Oh non. C'était sûr. Toujours vivant. Hop, c'est un prince. Rassurez-vous, toujours la banane. Toujours debout. Hop, dans un an il est mort. Faites 20 x 5, Loulou il saurait nous dire immédiatement. 20 x 5, Loulou. Combien? 20 x 5? 200. Allez, on arrête plus tard. Joe qui met Joe 44 000 qui met 50 balles. J'aime pas Jojo, mais bon, c'est bon, il a sa Switch. Jojo, envoie-moi ton adresse, je te la baille ce soir. C'est pas une blague. Ah bah oui, oui. Mais gros, oh, tu viens de gagner une Switch, frère. Putain, mais j'ai l'impression de passer à la télé. Mais gros. C'est quoi la meilleure radio de ta ville? T'as reçu les SMS de la Switch comme quoi elle était envoyée et tout? Absolument pas. Ok, bah elle est envoyée, je te le dis. Voilà, et bah c'est... Bah non mais gros, j'avale mon propre sperme. Non mais voilà. Doc encore? Oui. Encore les docks, ça a l'air là. Dead by Daylight, ils se font des patates, frère, du cœur. Moi, je préfère prendre des patates dans Dead by Daylight. Gros, comment il sait? Oh non, il est là. Ah, il a quoi contre moi, gros? Non, non, arrête, gros, arrête. Bon, allez, hop, ça dégage. Non, vous fait bail, vous fait bail. Oh, non, mais ça va, gros, arrête un peu. Attends. Il est encore sur moi, il veut pas me lâcher. Oh, mais pourquoi moi, fils de pute? Il se fait même taper par les générateurs. Mais oui, gros. J'ai vu que t'aimais les grosses voitures. Pour ça que t'aimes bien les hamsters. Alors t'as mis une cage hamster géante dans le coffre. Merci. Écoute, t'aimes bien le bœuf séché. On t'a mis 3 vaches entières au fond de ton garage. 7 kills, GG les potes. 6. Oh le boss. 11 assistants. Pardon, excusez-moi. On sait que t'adores aller pêcher le week-end. Alors on t'a juste mis un énorme poisson dans le coffre. Voilà, on l'a posé dedans. Un énorme requin blanc venu du coffre. J'ai cru comprendre que t'adorais les jeux vidéo. On t'a mis une PlayStation 4 dans la coudoir centrale. Bah elle fonctionne pas, c'est juste que... Elle est là. Voilà, et si t'aimes bien, bah tu la regardes. On sait que t'adores Pit Power Ride. Du coup on t'a mis une deuxième voiture dans le coffre. Du coup ta voiture elle a 2 voitures en une. Mais tu savais qu'il y avait un vide en dessous? Non, j'ai carrément ça pris. On sait que t'aimes bien ton grand-père, on a mis les cendres de ton daron dans la coudoir. On sait que t'aimes bien l'équitation. On sait que t'aimes bien l'équitation, on t'a mis des chevaux dans ton coffre. Les chevaux sont pas dans le moteur, non. Ils sont dans l'allume-cigare. Sors. Ça aurait été beaucoup trop simple de les mettre dans ton moteur, les chevaux. On sait que t'avais travaillé 2 mois en intérim en tant que tourneur fraiseur. Alors on On sait que t'as fait un stage à Conforama. On t'a mis un canapé en velours au fond de ta caisse. Mais non, mais gros, il fait trop peur, wesh! J'ai mal, B-Boy. Viens, vas-y, cale-toi dans le coin là. Vas-y, vas-y penche-toi. Défonce-moi. Vas-y, tous. Loulou, il vient vers moi, il vient vers moi. Je sais. C'est un Jezel là. Derrière toi, B-Boy! J'ai la pierre. Ah! Oh, oh putain! T'es où, gros? Je suis mort. Putain. Ah. Dans le champ. Oh putain, le move, le génie. Je le vois. Il tourne encore là-haut. Fais gaffe, elle arrive peut-être, hein, je sais pas, parce que son perso il arrive. Ah, bien sûr, vous. Ah, 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 putain. Ah, ah, il s'en...
J'ai cru que t'étais un épi de maïs. Je suis une machine. Putain, c'est tellement mieux d'avoir deux Claudette dans la vidéo. Je me mets sur un bordel, je suis mort. Y'a rien là-dedans. Oh, c'est juste. Je crois qu'il y a à ma droite, il y a un générateur. Ah ils sont vivants. Vas-y, viens, sale chienne, va. C'est qui je suis, moi ou pas? Je suis Claudette. Je suis Claudette, la peau de ta mère. Il commence le générateur, j'arrive. Oh. T'es la croupie, je la verrai pas, cette pute. Ah oh putain. Avec un peu de chance, je suis Claudette. Tu vas me respecter. ...90, fini. Oh là là. Allez, on sort tous vivants les potes. Mais si on en perd un, mentalement, on sera plus jamais pareil. On n'osera plus se regarder dans un miroir. Il faut pas qu'on laisse quelqu'un, bon à part si c'est Bloody ou Lulian. Mais il faut pas... ah, ouais, d'accord. Vas-y Loulou, je regarde si tu peux prendre un coup. Ah le gamin. Vas-y, fais du bruit. Elle arrive. Elle arrive. Vas-y, on va voir, on va voir. Prends un coup et tu cavales. Non, non. Vas-y. Ouais, ah vas-y. Il dit non, non, il s'est pris un long coup. Non, vas-y, non. Il va prendre un coup et tu cavales. Mais c'est que là, si t'avais, dit le non. Défi, si t'avais le défi pour te faire couvrir après 2 minutes, tu peux le faire, non? Ça va? Vas-y, mais prends un coup. Prends un coup et cavale. Oh la pute. Vas-y. Ah! Allez, fonce! Salut ma gueule! Oh! 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 L'ascenseur émotionnel! Donc, déjà, la politesse. Entrez. Ah bah d'accord, la politesse, voilà. Le mec il rentre avant que je dise entrer. La fausse politesse. Le gars il sonne chez toi, il est déjà dans ta cuisine à poil gros. Pote putain. Espèce de pute, va-t'en. Il a insulté son joueur. Tu veux pas écrire le prochain script de mon film, putain. J'ai déjà dit que je te le fais quand tu veux, putain. Tu me dis ce que t'aimerais mettre en place, moi je te fais un script, rien à foutre. C'est avec des dialogues aux petits oignons. Vous avez fait tomber quelque chose. Enfin. Putain, j'aime bien ton scénar finalement. C'est pas si mal. Je vais prendre celui d'Alfouille au final. Non mais on travaille en co-écriture latérale. Ouais. Ça ressemble un peu à ce que je fais déjà par contre, mais bon. Ouais, bon, on essaye de pas trop se plagier, mais bon, c'est normal que... On a des sources d'inspiration déjà. Resident Evil. Ouais, t'as vu, Nine. Il commence normal. Resident Evil. Tu sais, ça veut dire que tu vas souffrir. On va vraiment t'en mettre pas la gueule. Resident, tu vas prendre ta mère. Je veux te dire qu'elle était pas prête de sortir. Resident Evil. Bienvenue dans le commissariat, Claire Redfield. Tu vas te faire enculer. C'est le comico, il se passe des trucs de délire. Va voir John pour son premier jour au Comico. Je peux te dire que t'es pas dans la merde. Resident Evil. Tu vois, j'ai été mordu, je vais devenir un zombie, tu vas mourir. C'est genre, elle est là, un peu innocente. What's going on, R? Et là, c'est un français qui répond. Bah, je peux te dire que c'est la merde. Alors là, on va verrer sa mère. Je peux te dire que le commissariat de Séville, c'est dur, hein. Je vais pas payer bien cher pour ce moment, en fait. Resident Evil. Bonjour, c'est mon premier jeu de service. Ah bah ma pauvre petite dame, vous êtes pas venu au bon moment. Fallait pas signer. Ah bah ma pauvre petite dame, vous allez mourir, hein. C'est-à-dire que je regrette d'être devenu flic. Viens sur mon Discord, tu vas dans équipe 2 pour avoir un rôle de Fortnite. T'imagines, événement e-sport, les commentateurs. Les gars, pendant 5 minutes, on entend. Oh mec, ça serait énorme. Oh putain, je vais m'étouffer. On peut aller dans la grange qui est devant. Et je commence à en avoir marre. Alors les gars, t'as laissé le gaz ouvert, hein? Ouais, gros, je suis désolé, c'est rien, c'est temporaire. Je commence à en avoir marre. Ça, c'est un slip. Ah oui, c'est bon. Bah c'est bon. Ah comment ça s'appelle déjà? Bah oui je suis un... Bah ta gueule. On sait que Loulou à Gonfreville, bah, il a pas 4 milliards d'amis. Il nous a jamais dit attendez je vais revoir les frérots. Voilà les gars. T'as fait Loulou. Non mais c'est... mais non mais Bloody t'es débile ou t'as décidé d'être débile non, ce mais... soir mais c'est non, un mais exemple. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite? Mais qui prête? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu racontes?
T'es débile ou quoi? Mais les cons, gamin. Mais faites quelque chose, mais faut lui envoyer de l'aide, les gars. Que quelqu'un me s'y se déplace chez lui, wesh. Mais personne s'en prend à Loulou, gros, c'est un exemple.